Nous vous informons que ce programme est déconseillé à personne. Pour ce deuxième épisode, les youtubeurs ont été invités au Jump City pour tenter d'apprendre plein de figures afin d'impressionner en vidéo leurs abonnés. Sans oublier qu'un nouveau youtubeur a débarqué dans la villa, Sticky le chômeur. YouTube House saison 1 épisode 2, c'est parti! Ah ouais gros! Ce qui s'est passé entre temps, mon deuxième caractère, reste tranquille, je vais t'expliquer, tout va bien se passer, d'accord? Restez tranquille, vous allez bien? Ouais, bien. Du coup, je vais vous présenter le guest du jour, c'est un fou! Alors, salut à tous, moi c'est The Darko, chef du Good Vibe Gang, non? Alors, je suis un ninja, un samouraï, je suis un danseur, je suis un ambianceur, acteur, réalisateur, professionnel, teur, peur, cœur et meur. Quand tu me rencontres, ta vie elle est meilleure, tout simplement, donc ils vont avoir de la chance avec moi. Wesh. Voilà, regarde. Wesh. C'est qui tu lui fais quoi? Hey. Wesh. Voilà. C'est Rémi la main, présentez-lui, il s'appelle The Darko. J'espère que vous allez bien l'accueillir, c'est le guest. Voilà. Ouais. Donc restez correct avec lui parce que c'est un fou. Let's go les gars. Il choule un peu. Les chaussettes. Je veux de la concentration. Vous savez qui je suis moi ou pas? Est-ce que vous savez qui je suis? Vous avez jamais entendu parler de moi? Ça c'est très bizarre. Ok. Vous allez m'entendre, vous allez être attentif, vous allez faire ce que je vais faire de suite. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Ok. Là vous allez passer ici, vous allez faire ce que je vais faire moi. D'accord? Parce que vous êtes des gens durs. Pas besoin d'aller sur le trampoline. Non. Vous êtes des durs vous. T'as compris ou pas? Vous avez été élevé à la dure, d'accord? Vous allez faire ce que je vais faire là. Vous allez faire ça. Ok. Gender, il est sérieux lui, il a voulu faire le malin, il s'est ramassé comme une merde. En vrai, vous avez compris ou pas? Large. En vrai, c'est faisable. Ouais, c'est faisable. C'est faisable, c'est très facile. Toi, tu le fais, je le sais. Allez, fais-le dessus. Non, c'est pas ça du tout, c'est pas ça. C'est pas sérieux ça. Ça, c'est pas sérieux. Écoute-moi bien, mon garçon, c'est pas parce que t'as des cheveux curly que tu peux te permettre de faire ça. Est-ce que t'as compris ou pas? Wesh, il s'est pris pour qui lui? Eh, tu connais pas ma vie, t'es là, tu juges mes cheveux, t'es un fou ou quoi, frère? Allez, c'est à toi. Lui, je veux plus jamais entendre parler de lui. C'est non. Qui? Quelqu'un parle? Y'a un fantôme pas. Ici? Non, j'entends pas. J'entends rien. Ah ouais, même mes potes ils foutent de ma gueule. Non, tranquille, R. Non, Zimi, Zimi, allez, Zimi, allez. La force tranquille. Zimi, vas-y, Zimi. Zimi. Vous pouvez refaire? Non. Vous savez quoi, je vais faire un truc plus facile pour Zimi. Tu fais juste ça, Zimi. Écoute-moi, Zimi. Tu fais ça, tu sautes. Jusqu'à là, tu vas y avoir un compris. Tu m'as. Compris? Oui. Tu sautes, tu fais ça. Zimi. Vas-y, tu l'as fait hier soir. Ok, je le fais. Vas-y, tu le fais là si tu veux, parce que t'es Xim. Oui. Ok. Wow! Ça, c'est ma bosse, ça! Ça, c'est ma bosse! C'est vraiment. C'est trop facile. Eh, moi aussi, je sais le faire sur le trampoline, hein. Tranquille, hein. Bon, prochain. C'est quoi le problème là? Là, c'est une nouvelle mode tendance. C'est la tendance. C'est pas du respect, ça, mon garçon. Mais si. Ça c'est pas du respect frère, mon garçon. Frère, c'est la mode hein, t'as vu. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je suis frais. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je suis frais, aéré. Ça. Wesh. Ah de bédame achète on a ragé. Eh votre boug là, il parlait beaucoup hein. Il parlait beaucoup de mon fou, mais dès qu'il l'a vu, il a fait un coma éthylique. Il est tombé au sol, sa vieille teinture, sa tête de Pokéball. Waouh, double anarcheta. C'est quoi ce démon? Mais moi, je crois. Réanime-le. Le doyen, le doyen. Le doyen. Oh c'est bon, je l'ai réveillé. Yeah. Quel boss. Bon, moi j'ai pris une décision.
Vous êtes là, vous me prenez pour un guignol. Moi j'ai des films au Brésil et à Hollywood à tourner. Donc je vais aller les tourner. Ciao. Casse-toi. Juste au cas où, la sortie c'est dans l'autre sens en fait. C'est par là la sortie. C'est la sortie de secours, t'as besoin d'aide. Eh, de toute façon personne t'aime. Casse-toi. Nul. Moi j'ai pas compris. Moi le temps c'est de l'argent, j'ai pas de temps à perdre. Ils veulent rien faire, ils veulent rien faire de leur vie, ils vont rater leur vie, c'est pas mon problème, tu comprends? Moi si je viens, si je fais quelque chose, c'est pour apporter quelque chose derrière. Tu vois ce que je veux te dire? Moi je suis quelqu'un. Voilà, j'ai pris une décision, c'est que je vais me casser. De toute façon moi j'ai des films à faire à Hollywood, aux States. Eh, hey, je vais même faire un film sur Mars. Tu crois vraiment que je vais me prendre la tête avec eux là? Tu crois vraiment que je vais me prendre la tête avec eux? Tu le crois vraiment? Tu me prends pour un mytho? Suite à l'incapacité de nos youtubeurs, The Darko a décidé de les abandonner. Regarde moi, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ça va? Bah ouais, je t'appelle, gros. Ouais. C'est pas toi qui avais peur du vide? Si, j'ai le vertige. Bah ouais, bah justement, pour combien tu sautes? Frère, pour 50 balles. 50 balles? Tu sautes là? J'ai le vertige. Vas-y, vas-y, ok. Tu sais pas? Ok, tu vois Black Hawk? Ouais. Je lui ai pris. Oh le bâtard. 50 balles. Bon, ce matin, j'ai volé 50 euros à Black Hawk. De toute façon, il est blindé, hein. Je vois pas pourquoi je devrais en priver. Vas-y, vas-y. Ah vas-y, oh, tu me donnes ça. Non. Tiens. Merci, 50 balles. Merci, Black. Bah ouais, t'inquiète. J'avais 50 balles dans ma poche. Et après, je les avais plus. Et en vrai, il y en a un dans la villa, il est trop chelou. Il fait que faire des 24 heures. Qui? Il fait un 24 heures sur un trampoline. Ah oui, je l'ai pas vu. Voilà, il est bizarre, mais... Frère, il fait un 24 heures sur un trampoline, il est bizarre. Je sais pas, il est chelou, je pense qu'on va l'éjecter de la villa lui. Ouais, je pense qu'il va être dégagé. Hein. Je suis d'accord. On est d'accord, hein. On est d'accord. Eh, venez, on y que 124 heures en vrai. Vas-y. Eh, moi j'ai envie maintenant. Vous êtes chaud? Ouais, vas-y. Tu dis quoi? Voilà, il va pour 124 heures. Tu dis quoi? Viens, je vais te dire un truc là. Ouais, viens, on va te dire un truc. Oubliez pas un pouce bleu. Donc, je faisais 24 heures sur le trampoline. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Ils sont arrivés. Et ils ont commencé genre à me brusquer et tout. Oh le 24 heures. T'as raté ton 24 heures. Putain. J'avais presque fini, mais je fais une journée de vidéo. Donc je vais les pranker maintenant, ils vont me voir. T'as raté ton 24 heures là, c'est fini. On en a marre des 24 heures en vrai. Ouais gros, tu fais que faire des 24 heures, c'est bon frère. Faire 24 heures toilette, 24 heures ici, 24 heures. C'est bon, fais que faire des 24 heures. Bah, la villa ça part en steak. Hein. Ouais ouais. Mais les gars, il faut être le meilleur joueur à la villa. Moi je suis pas, je sais pas faire du coup du créatif. C'est une ville vidéo ça. Ah, je sais pas faire des vidéos. Bon, moi je sais que faire ça, je sais vraiment littéralement que vivre. Vas-y, je me casse. Je sais que les vidéos. Vas-y, on se casse, vas-y, on se casse. Je me casse frère, vas-y, on se casse. J'étais productif jusque là. Ah, il est bizarre. Ah, c'est bizarre toi. Mais attends, mais lui, c'est vraiment le mec le plus chelou de la villa. Bref, vous pensez que c'est qui va gagner? Moi je pense que c'est moi. Non, c'est moi. Non, vous êtes fous ou quoi? C'est moi. Ah, c'est moi qui vais gagner. STICKY. Vas-y, cassez-vous. Voilà, c'est moi qui vais gagner. Vas-y, casse-toi. Comment ça, casse-toi? Tu veux savoir c'est qui le gagnant? Vas-y. Oh, c'est moi le gagnant. Tu sais peut-être faire des saltos, mon gars. Mais dans cette villa, c'est moi, je vais tous vous sauter. Ouais, attends, on va le prank, hein. Ouais, il casse les couilles. Ah, il casse les couilles. Il met des tartes. Vous êtes sûr, on le prank, alors? On va prank Zemir. Tu lui proposes quoi pour le prank? En vrai, je pense qu'on va... On va la mousse. Vas-y, viens, viens, on se fout dans la mousse. En plus, il est allongé. Oh, il me soulève. Bam. C'est pas parce que c'est le plus petit qu'il peut tout faire. Il arrête pas de me casser les couilles, moi j'en ai marre. Non. Allez. Vas-y, on le bolosse. Tu fais chier la villa. Tu fais chier la villa, toi. Fais chier la villa. Et personne t'aime. Personne t'aime. Quoi? Putain. Et casse-toi de la villa. Casse-toi de la villa. Casse-toi de la villa. De toute façon, c'est juste des nœuds. Hein. On l'enfonce. Vas-y, on l'enfonce. Faut qu'ils disparaissent. Vas-y, viens, on se casse. Tu sais qu'il a pété là. Putain, ça pue la merde, sérieux. C'est dégueulasse. Putain, c'est bi. L'activité touche à sa fin. Il est temps pour les youtubeurs de rentrer à la villa afin de se reposer et de se préparer pour les prochaines vidéos.